Hello! Donc aujourd'hui, on va faire un petit tour de la résidence où l'on vit. Donc elle s'appelle Patterson. Il faut savoir que quand vous postulez pour Chef de France ou Disney, vous avez le choix entre quatre résidences. Donc vous avez Common, Chatham et Patterson qui sont à côté. Et vous avez Vista qui est un peu plus éloignée que les autres. Donc de l'extérieur, les quatre résidences sont super bien entretenues. Il faut savoir que pour chaque résidence, vous avez une salle de sport et une à deux piscines par résidence. C'est un environnement super agréable, très protégé, très sécurisé. Donc on s'y sent vraiment super bien. Comme vous pouvez le voir, la salle de sport est assez complète avec plein de machines pour faire travailler différentes parties de votre corps. Donc nous, on adore y aller le matin quand on ne travaille pas, faire une petite séance de 1 heure. En plus, vous avez la vue sur la piscine, donc c'est très agréable. On arrive ensuite à la piscine donc qui est juste à côté de la salle de sport. Et j'adore cet endroit, c'est vraiment très joli avec les palmiers. Et surtout la belle vue sur la piscine qui est tellement chaude en ce moment, c'est super agréable d'y aller. Dans chaque résidence, vous avez aussi une salle avec des ordinateurs où vous pouvez imprimer gratuitement, donc ça c'est toujours très utile. Devant la porte de mon appartement. Donc une semaine avant le programme, vous pouvez choisir la résidence et le nombre de personnes que vous souhaitez avoir dans votre appartement et ça sera accepté ou non en fonction des disponibilités. Donc moi je partage mon appartement avec 5 personnes, donc j'ai 2 japonaises, une chinoise, une italienne et une française et c'est super intéressant et enrichissant de partager son appartement avec d'autres nationalités parce que vous pouvez vraiment discuter un petit peu de leur pays, de leur culture, un petit peu de leur travail aussi. Il faut savoir qu'à Patterson, les appartements sont rénovés, du coup ils sont très jolis et super agréables. Par contre, vous payerez plus cher que les autres résidences. Donc pour la cuisine, Disney fournit tout ce qui est vaisselle. Donc là, on arrive au salon, c'est tout simple mais c'est cosy, je dirais, avec la moquette qui est typique américain. Tous les appartements ont un balcon et honnêtement j'y vais jamais mais les baies vitrées apportent de la luminosité à la pièce et c'est toujours agréable de rentrer dans l'appartement et d'avoir la vue sur la végétation. Concernant les chambres, vous pouvez être par deux ou par trois, c'est en fonction des personnes avec qui vous allez partager votre appartement. Donc nous, comme on est six dans la colocation, nous avons 3 chambres de 2. Et par exemple, si vous êtes 5, vous allez avoir une chambre de 3 et une chambre de 2. C'est une chambre qui est toute simple, pour le moment il n'y a pas trop de décoration, mais c'est une chambre dans laquelle je me sens très à l'aise. Elle est vraiment lumineuse avec la fenêtre que l'on peut voir. Et voilà, elle est vraiment toute simple avec de la moquette aussi par terre qui est confortable. Nous avons une salle de bain, un petit dressing et voilà, nous partageons la pièce centrale avec 2 lits et on a une petite commode chacune. À Patterson, nous n'avons pas de machine à linge inclus dans les appartements. Il faut aller à l'extérieur dans des sortes de petits locaux où vous avez des machines à laver le linge et des séchoirs. On espère que cette vidéo vous aura plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo à Orlando. Bisous !